Good morgen, allez, idem les sujets aujourd'hui, le lunch matin, avant Rainor, ben fortune, mazal, idéda, ben tester, yakov, nissim, ben chana, machlouf, micha, ben masouda, si vous souhaitez, vous aussi, idéda, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma serrette, que tout périg d'alet, Mishnah Gimel. Rabbi Shimon, Shezuri, Rabbi Shimon, Omrim, l'on nechleku, al davar, chou, mishum, shem, echad, chou, chayav. Alma nechleku, al davar, chou, mishum, shne, shemot, shrabi, eliezer, mechayev, chatat, verabi, yoshua, poter. Amar, rabbi, yuda, אפילו נתכוון ללקט תאנים וליקט ענבים. ענבים וליקט תאנים, שחורות וליקט לבנות, לבנות וליקט שחורות, רבי אליעזר מחייב חטאת, רבי יהושע פותר. אמר רבי יהודה, מספה יהודה יפודר שמעון, אמר רבי שמעון, תמה אני אם יפטר בה רבי יהושע. אם כן, למה נאמר שחטא בה? פרט למתעסק. נדע הבחין על המשנה הפרסדנות ומחלוקת רבי אליעזר, et Rabbi Yehoshua, concernant quelqu'un qui a, sans aucun doute, transgressé une avéra grave sur laquelle on est passé d'un korban khatat, parce que mezid karet, mais il ne sait plus laquelle des avérot. On avait pris, il y avait deux cas de figure, soit un morceau de viande chélève et un autre morceau de viande qui était du notar, un reste de kodesh, de kochim qui a passé son temps, ou encore, il y avait même aussi un cas avec, il y avait deux choses l'une, soit sa femme Nida, soit sa sœur. Il ne sait pas avec qui il est rentré un petit peu bourré, ou peu importe, fatigué, et il s'est retrouvé avec une des deux, il ne sait pas avec laquelle. Il n'y a pas de trace, on ne sait pas. Alors maintenant, la question est de savoir, bon, c'est sûr qu'il a transgressé un korban, khatat. Il a fait une grave avéra, massive karet, si on était bémézide, Beshogag, il doit porter un korban khatat, mais il ne sait pas, est-ce qu'il doit porter un korban khatat parce qu'il a eu un rapport avec sa sœur, ou avec une femme Nida. Ou, est-ce qu'il doit avoir un khatat parce qu'il a mangé du khélev, est-ce qu'il a mangé du notar, un reste de korban qui a passé son temps. Alors, sur ça, il y avait donc une discussion, que Rabbi Eliezer nous disait d'apporter un korban khatat, et Rabbi Yehoshua disait qu'il ne doit pas apporter korban khatat. Parce qu'il faut, selon Rabbi Yehoshua, il faut savoir sur quoi exactement tu fais tchouva. Tu fais tchouva, de quoi tu fais tchouva? Tu dis, pardon, tu apportes un korban, sur quoi? Quoi précisément? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne sais pas, tu ne peux pas apporter un korban khatat. Il y avait un limoud, asher khataba, ok? Maintenant, dans notre Mishnah, on va voir une machloquette encore plus qui va préciser davantage sur quoi sont en discussion Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Shezuri et Rabbi Shimon Omrim. Deux Shimon, Rabbi Shimon Shezuri et Rabbi Shimon, tous les deux ont dit Lo nechleku al davar sheu mishum shem echad sheu chayav. Selon tous les avis, aussi bien Rabbi Yehoshua que Rabbi Eliezer, il n'y a pas de discussion que s'il a transgressé une faute qui est interdite à cause d'un même nom, on va expliquer tout de suite c'est quoi, mais pour le moment, à cause d'un même nom, c'est certain qu'il doit apporter un korban khatat, même s'il ne sait pas exactement quelle forme. Dalma nechleku, sur quoi ils sont en discussion? Aldavar shu mishum shne shemot, sur une avera où il y a deux interdits distincts, deux shem d'interdits, deux noms d'interdits distincts. Rabbi Eliezer mechayev khatat, et Rabbi Yehoshua poter. Rabbi Eliezer va dire non, tu devrais malgré tout apporter un korban khatat, et Rabbi Yehoshua dispense. C'est-à-dire, il y a, d'abord, premièrement, on a vu qu'il y a une discussion entre, est-ce qu'il faut savoir sur quoi exactement tu as fait ta avéra? On a pris le cas de figure où on a parlé d'une femme Nida et sa sœur, deux interdits. Mais qu'est-ce qui se passe si, on n'a pas parlé de ce cas-là spécialement dans la Mishnah, mais ça aidera pour mieux comprendre, je pense que c'est inclus dans la même discussion. Il est parti avec sa sœur, mais il ne sait pas laquelle. Il a deux sœurs, il ne sait pas celle de la grande, Rachel ou Léa, il ne sait plus avec laquelle. Alors là, c'est sûr qu'il devrait apporter en théorie, est-ce qu'il devrait apporter un korban khatat parce qu'il a eu un rapport avec sa sœur? Ah, il ne sait pas laquelle, c'est pas grave. Mais il a transgressé l'interdit d'avoir un rapport avec sa sœur. Ou bien non, est-ce qu'il faut savoir exactement sur quoi tu as transgressé? Le Barthénora, je ne veux pas m'engager de trop, donc je préfère pas dire plus que ce qui est écrit. Il y a le même principe avec Shabbat. Shabbat, vous savez bien, il y a 39 travaux interdits. Chaque faute, chaque nouvelle melacha, c'est une nouvelle cause d'apporter un korban khatat. Donc, premièrement, alors sur ça, il y a, par rapport, donc, on va prendre un cas de Zoréa et Choresh, ou bien Kotser et Tochen. Cueillir, c'est le cas qui rapporte Barthénora. Cueillir, ou bien un Moudre. Là, c'est sûr qu'il a transgressé quelque chose, il ne sait plus quoi. Alors, sur ça, la Mishnah vient me dire, tu sais, il n'y a pas de discussion, si toutefois, c'est sûr que tu as cueilli, mais tu sais plus si tu as cueilli une pomme ou tu as cueilli une pêche. Alors là, tu pourras quand même apporter un korban khatat. D'après tous les avis, il n'y aura pas de discussion sur ça. Sur quoi tu devras
Il y aura discussion. Il y aura discussion lorsqu'il y a deux shemot, et deux interdits différents. Tu sais plus est-ce que tu as cueilli, ou est-ce que tu as moulu, ou est-ce que tu as labouré. Tu sais que tu as transgressé Shabbat. Tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien aujourd'hui. Mais tu sais plus quoi. C'est sur ça qu'il y aura une discussion. D'accord? C'est ce qu'il vient de nous dire les deux Rabbi Shimon Chezuri et Rabbi Shimon. Ça, c'est l'avis des deux Shimon. Des deux Rabbi Shimon. Tandis que Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, non. Afilu nitkaven le laket te enim, veliket anavim. Même s'il a eu l'intention de cueillir des figues, il a cueilli des raisins. Anavim veliket te enim. Il a voulu cueillir des raisins, et finalement, il a cueilli des figues. Shorot veliket levanot, levanot veliket shorot. Ont bien même à l'intérieur des figues. Il a voulu cueillir des figues noires, il a cueilli des blanches, les deux sortes de figues apparemment, des plus foncées, plus claires. Et les vanot veliket shorot, au contraire, des blanches, il a cueilli finalement des noires. Dans ce cas-là, il y aura malgré tout la discussion que Rabbi Eliezer Mechayev Khatat et Rabbi Yeshua Poter. Rabbi Eliezer le rendra passible de porter un korban Khatat et Rabbi Yeshua le dispensera. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. On va y aller doucement. On va d'abord proposer d'expliquer exactement ce qui se passe, mais en réalité, c'est pas ce qu'il a écrit. Il va falloir ajouter un petit détail. Pour le moment, tel que c'est écrit, alors, il nous dit que tu apporteras un korban Khatat que lorsque. Lorsque, par exemple, donc, il a voulu cueillir une certaine sorte de fruit, et que finalement, il a cueilli une autre sorte de fruit. Alors là, quoi qu'il arrive, il a transgressé l'interdit de cueillir. Est-ce qu'il pourra porter un korban khatat ou non? C'est sur ça, malgré tout, qu'il y a une discussion. Même si finalement, il y a Rabbi Eliezer qui va me dire que... Alors Rabbi Eliezer va dire, t'as voulu cueillir, t'as cueilli, et tu apportes un korban khatat. Et Rabbi Yeshua va dire, non, malgré tout, t'as pas voulu faire les choses comme tu as prévu de le faire. Comme ça, c'est rapporté. Seulement, il y a un problème. C'est impossible à expliquer de la sorte. Il y a une halakha dans Shabbat de Melechet Marchevet. Vous avez déjà entendu cette histoire. À Shabbat spécialement, on est très machmir. C'est-à-dire, pour rendre passible d'un korban khatat, il faut faire une melacha avec toute l'intention requise. Il y a un statut spécifique dans l'halakha de Shabbat. C'est pour ça qu'on ne va pas rendre pas tour dans Mitasek, Melacha Shenatzricha Legufa, D'avoir chez nos Kaven, vous avez sûrement déjà entendu tout ça, on va pas trop rallonger sur ça. C'est tout un domaine entier comme dans les mechettes de Shabbat, qu'il faut faire une melacha avec intention de la faire pour le but pour lequel on l'a fait. On insiste énormément sur tout ça. À partir du moment où on va prendre un cas, éteindre un feu. Est-ce qu'on est chayav à Shabbat lorsqu'on éteint un feu? En théorie, spécialement dans Shabbat, eh bien... C'est vrai qu'il y a Mechabé, il y a Mavir Mechabé, c'est une des 39 Melachot, Mechabé, éteindre un feu, mais c'est à condition que tu fasses une Melacha qui construit lorsque tu éteins. Alors que lorsqu'on éteint quelque chose, eh bien on fait disparaître le feu qui était là. Donc en théorie, on ne devrait pas être Hayav, ça s'appelle qu'on était Mekalkel. Sauf si, toutefois, tu vas éteindre un feu pour pouvoir récupérer le charbon. Il y avait un charbon qui était en train de se consumer. Et donc tu l'as éteint, comme ça tu peux avoir sauvé le charbon. Dans ce cas-là, tu as fait quelque chose de positif avec le fait que tu éteins. C'est une notion un peu fine dans Shabbat. On étudiera ça un jour, Bezrat Hashem, lorsqu'on arrivera dans Shabbat, on l'expliquera mieux. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais en tout cas, on insiste énormément, lorsque tu réalises tu fais un travail type à Shabbat, que tu le fasses avec l'intention pour laquelle il le faut, dans un but positif et pas de manière négative. Ouais, ça se retrouve dans plein de situations. Creuser. On peut creuser à la maison parce qu'on est en... Celui qui va creuser, il va soit transgresser l'interdit de Choresh, soit l'interdit de Bonnet, sauteur. Imaginez quelqu'un qui va creuser parce qu'en fait il a besoin du sable. Il va se mettre à creuser, il va... Parce qu'il a besoin du sable. Il s'en moque, est-ce que ça va faire un trou par terre ou non? Dans tous les interdits de la Torah, eh bien, t'as pas l'intention de creuser pour pouvoir réparer le sol ou labourer le sol. Peu importe. T'as creusé, tu l'as fait avec l'intention, donc t'as creusé. Et bien dans Shabbat, ça va pas être comme ça. On va appeler ça Malacha Shinatzricha Legufa, d'avoir chez Nomit Kaven, toutes sortes de notions. Ok, on ferme la parenthèse par rapport au Shabbat, général. Maintenant, et on se concentre sur le cas qu'on a. Il y a une halakha spécifique dans Shabbat. En l'occurrence, imaginez que je voulais cueillir, j'avais deux sortes de fruits, des figues et des raisins. J'ai voulu cueillir une figue. Et donc, je suis dit, allez, je transgresse Shabbat, je veux cueillir la figue. Et finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma main. J'ai fait entrer ma main comme ça par derrière pour pouvoir prendre la figue là-bas qui était là-bas. Et j'ai cueilli du raisin, j'ai cueilli autre chose. Il s'avère que maintenant, c'est vrai que j'ai voulu cueillir, c'est vrai que j'ai cueilli, mais j'ai pas cueilli ce que je voulais cueillir. Par rapport à Shabbat,
on est dispensé. On a été mit à sec, ça s'appelle. Mit à sec. Ok? On a voulu faire une chose, on a fait autre chose. C'est spécifique dans Shabbat. Ça touche aussi aux autres halakhot dans la Torah, mais c'est un peu plus. C'est trop de détails. Je préfère pas les. Retenez qu'on parle essentiellement dans Shabbat. D'accord? Donc, je reviens maintenant par rapport au cas de notre Misha. Puisque dans un cas pareil, où je veux le cueillir l'un et je cueille l'autre, que je suis dispensé de toute façon. Alors on a un problème avec notre Mishnah. Notre Mishnah, elle vient nous dire qu'il y a en réalité une discussion sur ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'en fait, le Bartanoï nous explique, la Gemara elle explique, qu'on parle que quelqu'un qui avait prévu de cueillir les deux choses, les deux types de fruits, les raisins et les figues. Seulement, il avait voulu cueillir une figue au début. Et quand il est parti prendre sa main pour prendre les figues, c'est un peu un moment d'étourdissement, sa main est partie finalement dans la branche des raisins. Dans un cas pareil, alors sur ça, il s'avère que maintenant, puisqu'il a un intérêt à récupérer des figues comme des raisins, mais il s'avère qu'au moment de passer à l'acte, il s'est trompé. Ouais, alors sur ça, il y a une discussion. Est-ce que, finalement, tu as voulu cueillir? De toute façon, tu aurais fini par cueillir aussi la figue ou le raisin. Alors ça ne s'est pas passé exactement comme ce que tu as prévu. Est-ce qu'on va définir cet acte comme un acte interdit ou non? Sur ça, Rabbi Yehuda vient et nous dit, ben, c'est exactement sur ça qu'ils sont en discussion, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, à propos du passage justement, Cheikh Hataba. Il faut transgresser avec l'intention de le faire. Alors là, tu as une intention générale, tu as une volonté générale, mais concrètement, au moment de passer à l'acte, il s'avère que tu as fait l'acte un peu de manière étourdie, sans réaliser l'acte que tu voulais faire. Est-ce que finalement, tu seras quand même passible d'un korban, parce que tu as transgressé l'interdit, tu voulais cueillir, et tu as cueilli l'espèce que tu voulais cueillir, ou non? D'accord? Comme ça, il explique, Rabbi Yehuda la Machloket, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Sur ça, vient Rabbi Shimon, c'est pour ça qu'il veut dire ici, Amar, il n'y a pas... Dans ma Mishnah, je suis devant moi écrit Amar Rabbi Yehuda, mais en fait c'est Amar Rabbi Shimon. Regardez même dans Bartanoï, il nous dit Achi Garcinan, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il vient, il rétorque. Tameani Miftar Bar Rabbi Yoshua. Il vient, il dit Rabbi Shimon, il dit, je comprends pas. C'est impossible que quelqu'un va dispenser dans une situation pareille. Tu veux cueillir, tu cueilles. Pourquoi est-ce qu'on va pas te rendre passible d'un korban? Pourquoi dispenser? Sur ça, il y a un problème de lecture dans la Mishnah, mais la suite de la Mishnah, c'est une rétorque contre Rabbi Shimon. À toi, Rabbi Shimon, tu comprends pas pourquoi est-ce que je le dispense. Je vais t'expliquer pourquoi. Imken la manemar shechataba. C'est exactement parce que toi, tu poses une question. Je suis étonné, est-ce qu'on va le dispenser? Je te réponds, mais non, il y a un pasouk qui te dit shechataba. Il faut avoir l'intention exacte. Ce que tu fais, tu avais l'intention de le faire, tu l'as concrétisé, et donc tu es passé d'un korban. Et là, tu n'as pas concrétisé ce que tu voulais faire. C'est pour ça. On déduit ça du pasouk de shechataba. Sur ça revient la charge Rabbi Shimon. Il va nous dire, non, Asher Chataba, c'est pour te dire le mit asek général. Mit asek qu'il a voulu faire une chose, il a fait une chose, une autre chose complètement. Mais le cas classique, en fait, de mit asek, par exemple, qu'il a voulu juste cueillir une figue et il a cueilli du raisin. Il s'est trompé, ça n'en est parti ailleurs. Un cas classique de mit asek. Dans un cas pareil, où de toute façon, son intention a été concrétisée, il n'y a aucune raison de le dispenser. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Selah.